Salut, c'est Gold. Alors aujourd'hui, on va se faire le Until Dawn Rush of Blood en VR, évidemment. Je me suis dit que j'allais vous prendre le Melinatron en passant, qui est plutôt sympa. Et un petit peu glauque en passant aussi. Ça, je sais pas si on doit esquiver. Voilà. Alors, j'ai déjà fait les deux premiers niveaux, mais du coup, je vais les refaire hein, pour la forme. On a du mal à la viser. Ok, donc ça, ce serait le normal. Pourtant, il me dit rien. Bon, bah, allez, peu importe. Donc, je lance le premier. Il y a un trophée pour faire avec une seule arme et pour faire au flingue seulement. Donc, autant tester là. Voilà, on va y aller à la main droite. There are wonders beyond this door that will test your skill and test your will. Do we have a winner here today? See the targets, shoot the targets, and try your best not to die, of course. Thank you, Captain Obvious. If it sounds simple, then by all means, show me what you're made of. All you have to do is point your weapon right over here at this sign and pull the trigger. Voilà, je vais régler les tirs en même temps. Voilà. Allez, c'est parti, premier niveau. Bon, clairement, c'est un tutoriel, le premier niveau. Faut pas s'attendre à un truc ouf. Voilà, ça met dans l'ambiance. Vous pouvez viser avec les deux séparément, mais forcément, je stick, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour ça, il vaut mieux avoir les... comment on appelle ça? L'espèce de double stick qui était sorti sur PS3 à l'époque. Voilà, on se tord bien les mains quand même. Trop tard.
marksman as ever I've seen. Bon, ça fait un peu d'entraînement aussi pour Resident Evil 7. Mais c'est le plus gros problème dans Resident Evil 7, ce sera plutôt les déplacements. Ah oui, hop, hop. Gun him down. Come for miles around to witness our world famous freak show. You ever hear the one about the guy who got stuck on a carousel and couldn't get off? Eh, even with all the grease from the horses. all right, just warming up, just warming up. Ah, il est dit ce qu'il va faire aussi, ouais. Hop là. Duck. Hop là. Hop là. Some days you just don't feel at one with yourself, do you? Bon, je parlais pas trop du scénario d'Until Dawn pour éviter de spoiler hein, en passant. Les gens qui connaissent comprendront rapidement où on est et pourquoi. Nice knowing you, kid. Notre grand ami. Voilà, maintenant c'est ambiance. D'ailleurs, j'ai du mal à viser avec les flingues. Moment pour recharger. Thank you.
Merde, alors je galère avec la visée au flingue. Se trouver sa Glock, attendez les prochains niveaux. On y arrive à gauche. Je l'entends dans les écouteurs. Voilà. Voilà. Bon, fin du premier niveau. Normalement, j'en ai profité pour faire des. Allez, je lance la deuxième.